wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. J'avais dit que je vous ferais une petite vidéo haul drugstore. Je suis obligée de faire ma vidéo plusieurs fois sinon c'est trop long. Donc j'ai fait pas mal d'achats chez Boots. Je sais pas si vous savez toutes ce que c'est qu'un drugstore, mais un drugstore c'est un endroit dans lequel on va pour faire ses courses beauté, hygiène, dentifrice, déo, gel douche, etc. Mais aussi pharmacie. Et il y a les deux, en fait, là-bas, on va faire ses courses dans un seul et même endroit pour ces deux choses-là. Alors qu'en France, on va plutôt au rayon beauté de chez Carrefour ou au Beauty Monop. Le Beauty Monop est une certaine forme de drugstore, mais les drugstores américains et anglais vont beaucoup, beaucoup plus loin. Alors pourquoi pour moi c'est la folie des drugstores et je me sens limite obligée d'y aller? Simplement parce que les marques françaises qui sont en Angleterre développent des gammes particulières pour les anglaises. Et il y a les marques qu'on n'a pas tout simplement. Donc vous allez voir, j'ai quand même acheté des trucs que j'aurais pu acheter en France. Le premier truc que j'ai acheté chez Boots, c'est ce headband. Alors vous allez dire, mais franchement, t'avais vraiment besoin d'aller chez Boots pour acheter un headband. C'est un headband, vous savez, quand vous vous maquillez, vous le mettez, puis ça permet de mettre vos cheveux en arrière. J'ai fait 3 Beauty Monop, j'en ai pas trouvé tout simplement. C'est la raison pour laquelle quand j'en ai vu un chez Boots, je l'ai pris tout de suite. Ensuite j'ai pris ces patchs points noirs de chez Biore, donc c'est une petite marque, hein. Je vais essayer de vous donner le prix en même temps, mais bon, je ne sais pas où est-ce qu'il est le ticket, mais ça coûte pas très cher. Tout ce que je vous présente m'a généralement coûté moins de 10 euros, voire même moins de 5 euros, et je vous ferai un focus spécial pour ce qui m'a coûté plus de 10 euros. Quand je vous dis rien, c'est que ça m'a vraiment coûté grand max 5 à 10 euros. Donc c'est un patch pour le nez, pour enlever les points noirs. J'en ai pas beaucoup, mais ça aide. Ensuite, j'ai acheté les fossiles de Fleur de Force. Donc je sais pas si vous connaissez cette vlogueuse, elle a une chaîne YouTube beauté qui cartonne, que tout le monde adore. Elle est absolument géniale, j'adore ses revues, j'adore ses beauty favorite, monthly favorite. Désolée pour cet accent pourrave. Et voilà, et donc du coup elle a fait une collab avec la marque Eylure qui est une marque de fossiles. Et donc voilà, c'est Simply Fleur, cela, ça a l'air plutôt naturel. Je suis un peu nulle en fossiles, il coûte 5 euros je crois, enfin 5 euros, 5 pounds. 5 pounds. Et voilà, donc je me suis dit que c'était pas mal pour s'entraîner plutôt que d'acheter des fossiles chez Makeup Forever ou chez Huda Beauty qui vous coûte la peau des... Hein. Toujours chez Eylure, j'ai acheté cet instrument de torture. Je vous ai toujours dit que j'avais un peu du mal, moi, à mettre les fossiles, donc apparemment ça aide. Je sais pas réellement comment ça marche. En tout cas, si ça fonctionne super bien, vous allez vraiment m'entendre en parler dans mes favoris et dans mes surprises, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir ce que ça pouvait donner. Ensuite, toujours dans la gamme fossile, j'ai pris cela. Donc c'est toujours Fleur de Force, hein, la blogueuse. Et elle a fait cela. Mais elle a fait aussi des cils individuels qu'on peut mettre sur le coin externe. Ça fait très 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 joli. Je ne suis pas encore une fois très adepte des fossiles, mais je me suis dit que j'allais m'entraîner et que de temps en temps ça faisait vraiment pas de mal. D'autant plus que je vois de plus en plus souvent des filles qui mettent des extensions, des vraies, et ça fait super beau quand on n'est pas du tout maquillée. Donc moi j'ai pas envie de faire des extensions parce que j'ai cru comprendre que vraiment ça ruinait vos cils en dessous. Mais dites-moi si ça fait le contraire, mais moi les personnes que j'ai vu en faire, ça les avait ruinées. Donc je me dis que bon, à défaut de lash extension, autant avoir des fossiles comme ça, quoi. Ensuite, toujours en drugstore, donc là vous allez voir, c'est une marque française, mais moi je ne les ai pas vus faire ça en France. Ce sont des mousses de douche, hein, de chez Nivea, il y en a 3. Celui-là a l'air d'être le classique, celui-là
avec des extraits de soie et celui-là avec des extraits d'amande. Donc je sais pas si vous connaissez les mousses de douche. À la base c'était la marque Rituals qui faisait ça. Vous alliez sous la douche, vous preniez votre gel douche et sauf que c'était pas du gel. Quand vous appuyez dessus c'est des mousses mais tellement onctueuses, tellement douces, tellement chantilly. Quel bonheur, c'est une vraie expérience beauté. Donc j'avais appris en regardant plusieurs vidéos que Dove, que Nivea, tout ça en Angleterre avait lancé des mousses de douche. Moi je suis allée directement au Beauty Monop à Paris. Il n'y en avait pas. Je suis allée au Monop tout court, il n'y en avait pas. Je suis allée au Carrefour City, il n'y en avait pas. Peut-être qu'il y en a dans les grands carrefours, mais à Paris, il n'y en a pas. Donc voilà, j'en ai trois, les amis. Hein, ça va me tenir au moins un an. J'ai plein de gel douche. Ensuite, et ça m'a. C'était 3 pounds. Non, mais 3 pounds. À tout casser, ça coûte 4 euros l'un. C'est juste démentiel, quoi. Ensuite, j'ai acheté. C'est shampoing sec nouvelle génération de chez Baptiste. J'en ai plein à la maison, mais bien entendu, désolé, j'ai le nez bouché. J'en ai plein à la maison, et bien entendu, j'en ai acheté. Donc, ceux-là, ils sont différents. Je les ai jamais vus. En tout cas, je les ai jamais vus en France. C'est les deux en un Invisible Dry Shampoo and Conditioner. Donc, ça fait dry shampoo, ça veut dire shampoing sec, plus après shampoing. Celui-là est parfum. Cocoa, je crois que c'est cacao et cachemire. Et celui-là, le parfum, c'est vanille et fleur de la passion. Voilà, pareil. C'est moins de 5 pounds chacun. Ensuite, il y a ce baume pour les lèvres de chez Lanolips. Ça m'a interpellée de le trouver en drugstore parce qu'en France, vous pouvez que le trouver sur Net-à-Porter qui est un site de vente en ligne de produits de luxe. Et pareil, ça coûte moins de 10 pounds, c'est génial. Donc celui-là, c'est un onguent, c'est un super baume multifonction. Donc vous pouvez le mettre sur les lèvres, vous pouvez le mettre sur les zones de sécheresse. Vous pouvez le mettre en highlighter, vous pouvez le mettre en gloss pour les yeux. C'est absolument génial. Ensuite, chose que j'aurais pu acheter en France, mais que j'ai acheté ici, c'est cette eau micellaire infusée avec de l'huile de chez Garnier. J'ai une eau micellaire à la maison qui m'emmerde parce qu'en fait, elle enlève rien. Donc quand je fais mes swatchs, je me démaquille pas l'eau micellaire, je vous le dis. C'est juste pour mes swatchs ou quand je change de maquillage en cours de journée. Là, je l'enlève avec l'eau micellaire, je ne me relève pas la figure, etc. etc. Sinon, c'est chiant. Donc j'ai acheté ça et pareil, c'était moins de 5 pounds. J'ai acheté une mini version des shampoings secs de Baptiste parce que je me suis dit que quand on est en vacances, c'est plutôt pas mal d'en avoir un, surtout en été où je commence vraiment à avoir les cheveux un peu gras, ce qui n'était pas le cas avant. C'est peut-être parce que je l'ai mis, j'en sais rien. Ensuite, j'ai ce masque en tissu de chez Garnier qui s'appelle Flower Bomb et qui est censé être super hydratant. Pareil, je ne l'ai jamais vu en France. Hein. Ça se trouve, il y est. Ça se trouve, mais moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai acheté également cette colle à fossiles de chez Duo. Duo est une marque très connue pour ses colles à fossiles. J'en ai une à la maison, une boîte de Duo, mais en blanc, alors que celle-ci est une colle noire, ce qui fait que vous ne voyez pas la démarcation. Bon. Le truc de la colle blanche, c'est que ça devient transparent avec le temps. Ça ne reste pas blanc, donc c'est vrai que j'aurais pu me passer ça, mais moins de 5 pounds. Ensuite, j'ai acheté ces lingettes démaquillantes de chez Neutrogena, Hydro Boost. Je ne les ai pas cherchées en France. Je voulais juste en avoir rapidement pour mes swatchs, pour le fait que j'allais un peu me démaquiller, me remaquiller dans la journée, donc voilà. Ensuite, j'ai des échantillons de je sais pas quoi. Ah oui, alors ça m'a coûté 15 pounds. C'est, c'est du coffee scrub. Vous savez, c'est de la poudre de café parfumée à la noix de coco pour vous faire un gommage. Ça cartonne en France, il y en a plein. Pas de cette marque, d'une autre marque qui franchement je pense est moins chère. Pour le coup, faites pas comme moi, n'achetez pas ça en drugstore. Mais si vous voulez, chez moi à Paris, ma salle de bain elle est atroce. Elle est toute petite, on peut pas rentrer, elle est sombre, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'expérience beauté dans ma salle de bain. Bon, c'est mon grand regret. En revanche, là, dans mon hôtel, j'ai une super salle de bain. Donc je voulais en profiter pour me faire un gommage ce soir, voilà. Donc ce sera peut-être dans mon Get Unready With Me.
Ensuite, je voulais vous montrer ce produit-là qui s'appelle Ilanide et qui est un sérum avancé pour le contour des yeux pour une correction visible des signes de vieillissement du dessous des yeux, des poches et des cernes. Bah, c'est pour moi. Donc ça, ça m'a coûté 19 pounds. Ilanide, c'est une sous-marque d'un grand groupe qui s'appelle Deciem. Je pense que vous vous entendrez, si vous ne l'avez pas déjà, ou si ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, mais vous entendrez beaucoup parler de la marque The Ordinary. Donc Deciem, c'est un grand groupe qui a décidé de lancer des marques de cosmétiques extrêmement pointues, mais de ne pas dépenser de l'argent dans le package ou dans le marketing, ce qui fait que vous avez des produits géniaux pour vraiment pas cher. Donc Ilanide, c'est une branche de Deciem. Vous avez The Ordinary, vous avez Niode et vous en avez d'autres. Je ne connais pas tout par cœur. Donc je me suis dit que ça allait être pas mal de tester Deciem. Deciem a ouvert un flagship ici à Londres. Je vais essayer d'y passer demain matin. J'ai pas acheté de maquillage en drugstore parce que j'avais fait le plein au mois de janvier-février au Beauty Monologue. Donc je me suis dit, tu vas pas racheter ça. Pourtant, il y avait des palettes de fard à joues et de bronzer chez Maybelline qui me donnaient mes super envies, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. J'espère que vous avez aimé mon haul drugstore London. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous souhaitez me retrouver, cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je serais ravie de vous retrouver. J'ai été bonne là pour cette fin. Je vous embrasse, bisous.